Eh bien, bonjour à tous. Je lance un petit streaming, une petite vidéo sur à propos du dernier tournoi que j'ai joué. Donc un tournoi IRL, comme on dit, ou OTB. C'est-à-dire, c'était il y a 2 semaines, c'était fin décembre, juste après Noël. Un tournoi en 9 rondes, 2 rondes par jour. À part le premier jour, et pour une cadence d'1h30 pour 30 secondes de rajout à chaque coup. Voilà, pas de rajout au 40e par contre. Donc un programme bien intensif, hein, où on sait que les doubles rondes c'est jamais facile. Alors les doubles rondes pendant 4 jours de suite, c'est spécialement éprouvant. Mais bon, ça fait partie du charme, ça permet de jouer beaucoup de parties en peu de temps. Et sur ce tournoi que j'ai fini pour le spoil avec un score de 4 sur 9 et une performance assez extraordinaire de 1908. Alors c'est extraordinaire parce que j'ai justement 1908 Elo, ce qui fait que j'ai eu un gain Elo de plus 0,00 à la fin du tournoi. Je pense qu'il faut... C'est difficile de faire exprès. Voilà, je voulais souligner ce petit fait. Et ce que je voulais vous montrer, c'est non pas l'ensemble des parties du tournoi, mais quand même une bonne moitié, puisque je vais vous montrer toutes mes parties blanches, parce qu'elles sont un peu plus intéressantes que mes parties noires, et elles ont en commun d'avoir toutes été de belles parties d'attaque, vraiment plaisantes à jouer, et c'est tout, je voulais juste vous les montrer. Je vais passer relativement vite sur chacune d'entre elles, je ne vais pas faire d'analyse très approfondie, parce que déjà je ne les ai pas trop analysées moi-même, à part peut-être deux que j'ai analysés après la partie avec mes adversaires. J'ai regardé rapidement l'ordinateur, mais j'en sais pas beaucoup plus. Et voilà, donc c'est des parties amusantes, des parties très énergiques. J'espère que ce sera amusant à regarder et puis peut-être un peu instructif. Ça, j'en sais rien, je promets rien, mais c'est à vous de me dire après. Donc on commence par la première ronde où je tombe contre un Indien. Déjà, petite déception parce que j'avais joué, bon, c'est un peu du détail, mais c'est un tournoi qui était avec un elo. Le tournoi principal avait un elo plancher de 1800, donc il fallait avoir au moins 1800 pour jouer. Et avec mes 1900, moi j'étais, je pensais pouvoir jouer d'emblée contre des joueurs plus forts, ce qui est toujours plus confortable et plus intéressant. Et c'est ce que la liste des joueurs initiale laissait présager, mais il y a eu beaucoup de forfaits de dernière minute. Et au final, je me suis retrouvé dans le haut du tableau, bizarrement avec mes 1900. Légèrement dans le haut, j'ai rencontré le moins bien classé, qui avait non pas 1800, mais beaucoup moins que ça. Il avait 1570. Et c'est un Indien. Il avait un nom indien, un drapeau indien. Autant vous dire que je n'étais pas satisfait du tirage, parce que c'est le tirage piégeux par excellence. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais que si c'est inscrit ou si on l'a inscrit dans le tournoi principal, c'est qu'il doit valoir mieux que ces 1570. Si je perds beaucoup de points. Si je gagne des clopinettes. Et voilà, je ne sais pas quel bois se chauffe cet Indien. Heureusement, à mon soulagement, quand même, je me rends compte en le voyant que c'est un adulte. Au moins, c'est pas, je sais pas, une pépite de 10 ans ou quelque chose comme ça. C'est un adulte qui doit avoir 25 ans, peut-être un peu plus. Donc je me dis, même s'il est sous-classé, il n'y a pas de raison qu'il soit injouable. Et voilà, donc après ces petites pensées, ces petites réflexions qui ont précédé la partie, je me lance dedans directement, avec une certaine confiance, en me disant, bon, en plus j'ai les blancs, je connais bien mes systèmes, je vais essayer de faire une belle partie. On va voir comment ça s'est déroulé. Je commence en 4 comme toujours, cavalier F6, C4, c'est comme ça que je joue, et il part sur une est indienne, peut-être une Grünfeld, on verra. Là-dessus, moi je joue cavalier C3, il enchaîne sur fou G7, cavalier F3, là c'est vraiment les coups que je joue toujours, on les retrouvera d'ailleurs dans d'autres parties, parce que bizarrement, les parties se ressemblent un petit peu, les 5 que je vais vous montrer. Cavalier F3, petit roque, et après fou G5, donc ça c'est mon système. Que j'aime bien. Pas le plus ambitieux, loin de là. Lee Chess met déjà un petit point d'interrogation, il dit que c'est pas un super coup, mais
son avis n'a pas tellement d'intérêt. C'est très largement encore, il y a des milliers de parties, donc c'est très largement dans la théorie. Il me chasse mon fou, ok. Donc là, souvent, ce qui peut arriver, c'est que les noirs chassent carrément dès maintenant le fou en G3 pour le prendre de force avec cavalier H5. Bon, c'est une possibilité qui est assez intéressante. Beaucoup de grands maîtres jouent comme ça, mais c'est pas non plus obligé. Donc je suis prêt à me séparer de mon fou de case noire s'il dépense plusieurs coups et il affaiblit un peu son roque pour le faire. Sauf qu'il enchaîne pas comme ça, il enchaîne par C5. Ok, donc là C5, sur C5, l'idée c'est que je joue E3 et je lui laisse un peu la décision de la structure de pion, sachant que je suis relativement confortable pour reprendre, par exemple s'il me prend, je vais reprendre du cavalier, et je suis assez solide, son fou va avoir une belle diagonale certes, mais bon il va taper pour l'instant juste sur mon cavalier. J'ai pas, y a pas de danger immédiat, je vais pouvoir me développer tranquillement, et puis la partie va continuer. Et là, il me surprend par un coup que j'avais jamais vu, Dame B6, et qui déjà m'a bien embêté. Bon, un coup intéressant par le fait qu'il se soustrait à ce clouage qui, dans pas mal de lignes, est assez gênant. Bon, il a aussi le G5 qui peut le soustraire du clouage, mais bon, c'est un peu moins. Il s'implique un peu moins quand joue en G5. Donc il va en B6, il m'attaque mon pion B2. Et là, déjà, je ne sais pas exactement comment réagir, je suis un petit peu embêté. Parce que, je ne sais pas trop. La dame, en général, elle va en C2 dans toutes ces lignes-là. Elle est plutôt bien en C2 où elle contrôle à la fois la diagonale qui est intéressante, elle laisse la place pour la tour, enfin, elle contrôle E4. Donc, j'hésite beaucoup à la mettre en C2 pour protéger mon pion. Mais en même temps, ça ne me plaisait pas complètement parce que. Ça abandonne la défense du pion D4, ce que je trouvais un peu bizarre. Je me dis, avec son coup Dame B6, il rajoute aussi une pression sur D4. Et du coup, si je joue Dame C2, peut-être qu'il aura un peu de force, on va dire, dans l'échange. Il échange une fois, il peut peut-être bouger son cavalier. Bon, à l'heure actuelle, il n'a pas de très bonne case, mais je trouvais que ça fragilisait la case D4 qui mettait bien sous pression. Et avec la dame en C2, il y a aussi le risque de se faire chasser un jour, qui peut être assez proche, par fou F5. Et sur fou F5, moi j'ai très envie de pouvoir répondre par E4, ou au pire par fou D3. Mais ça marche pas très bien avec la dame en B6 qui tape sur B2, et le pion qui tape sur D4. J'étais pas sûr de moi, je trouvais pas les scénarios très bons. Et j'ai fait le choix un peu à contre-cœur de mettre madame en D2. Ah oui, une autre raison aussi. Une autre raison qui me revient à l'instant. Ça date d'il y a 2 semaines, j'ai déjà oublié la moitié de mes idées. Une autre raison, c'est que moi, ce qui m'intéresse comme possibilité ouverte par ce coup dame B6, c'est de faire un échange ici en F6 pour enchaîner avec cavalier D5. L'idée, c'est je prends en F6. S'il prend du pion, je suis relativement content parce qu'il a bouché son fou. Bon, ça s'analyse, hein, ce genre d'idée, mais je pense que dans l'absolu, je suis plutôt content. Là, peut-être que je peux avancer. Il a quand même des problèmes de développement. Son fou est un peu bouché. Alors certes, il pourra jouer F5, mais bon, c'est un petit peu bizarre, je trouve, comme structure de son côté. Bon, faut que je fasse gaffe à pas me faire prendre le pion aussi sans conséquence. Donc peut-être que je joue pas D5 tout de suite, mais c'est juste pour montrer l'idée. Donc ça c'est un peu quelque chose que j'avais envie de rechercher. Et s'il prend avec le fou, là j'ai cavalier D5. Ok. Seul problème c'est que en l'occurrence il peut avoir des idées de dame A5 échec pour pas se faire pour reculer son fou plus tard. Bon, il faut aussi qu'il surveille son pion E7, donc ça dépend des lignes. Et il peut aussi peut-être jouer dame D6. Bon, tout ça pour dire que j'ai joué madame en D2 aussi pour contrôler cette diagonale, en me disant j'aurai des lignes où je vais menacer cavalier D5 sans me prendre d'échec, tout simplement. Donc il joue D6 et en fait j'ai changé d'avis. Alors déjà ça commence mal, hein, quand au 8e coup on joue un coup avec une idée et qu'on change d'avis. Là tout d'un coup j'ai plus envie de prendre en F6.
Parce que je me suis dit que c'était pas si fort comme idée. Alors évidemment, si prend du fou, là je peux jouer mon cavalier. Je peux prendre et je suis plutôt content d'avoir échangé son fou de case noire. Bon, même si après c'est pas tout à fait clair de comment j'enchaîne. Mais s'il prend du pion, bah c'est un peu la même en fait. Là, je me suis dit dans cette position, est-ce que. Bah, qu'est-ce que j'ai gagné dans l'histoire pour avoir donné mon fou de case noire? Est-ce que j'ai vraiment affaibli? En fait, visuellement, je pensais avoir affaibli ses pions centraux, notamment le pion D6. Mais je me rends compte que je peux pas y faire grand chose, que la case D5 pour mon cavalier, ok, elle est belle, mais juste il revient là. Et comment, je sais pas, qu'est-ce que je fais après, tout simplement, à part me développer, mais je lui pose aucun problème en fait. Et si j'ai donné mon fou de case noire sans lui poser aucun problème, bah c'est un peu bête. Là, il peut se développer, il a des belles cases pour se développer, il peut mettre son fou où il veut. Moi, je suis loin de pouvoir juste lui attaquer quelques faiblesses que ce soit. Et j'ai donné ma paire de fous. Donc, je me suis rendu compte que mon idée de base de cavalier D5 ne menait à rien. Donc, je joue autre chose, je me développe. Fou E2, ok. Il joue G5. Ok, pourquoi pas, fou G3. Et fou F5. Bah oui, parce que du coup, maintenant, je vais autoriser finalement de jouer fou F5 en ne jouant ni fou D3. Ni dame C2. Est-ce que j'aurais pu jouer fou D3 au coup d'avant? Ça me plaisait pas, je dois avoir une raison assez concrète de pas jouer fou D3 ici. Bon, je sais plus pourquoi, pour être honnête. Je crois que j'étais embêté. Je crois que j'étais embêté par fou G4. Ouais, c'était ça. Et là, je me disais mince, comment je défends mon cavalier? Je peux pas. Je ne veux pas jouer fou E2, ça n'a pas de sens de jouer fou D3 puis fou E2. Je ne veux pas défendre avec ma dame parce que je ne veux pas me mettre dans le clouage, ça n'a pas de sens. Et je peux pas reculer mon cavalier, je le mets où? Je le mets en G1, ça n'a pas de sens. Et est-ce que je me laisse prendre, par exemple en jouant grand roque? Bon, peut-être ça a un peu de sens, mais ça me paraissait assez douteux comme conception. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais prévenir fou G4 en jouant fou E2. Mais alors du coup. Bon, après G5, il peut jouer fou F5. Et bon, bah ça s'arrange pas trop mes affaires parce que je vais donner la diagonale. Et je sais pas trop quoi faire. Et je me dis, de toute façon, dans tous les cas, je vais vouloir virer ce fou de cette diagonale pour avoir peut-être un peu de jeu sur les cases blanches qu'il a ouvertes. Du coup, je dis, bon. Bon bah je joue fou D3. Donc là je viens de jouer quand même fou E2, fou D3 pour échanger mon fou, là ma supposée pièce d'attaque. Donc autant dire que je sais que j'ai foiré mon ouverture et qu'il a au moins égalisé. Bon il n'y a pas de raison que je sois moins bien mais il a au moins égalisé. En passant, s'il échange ce qu'il a fait de manière assez logique, il peut pas prendre mon pion B2 quand même. J'ai vérifié. Je peux jouer ensuite tour B1 et je suis assez content. Peut-être tour B1 pour prendre directement en B7, ça me paraissait pas mal. Bon, il préfère se développer. Je crois que l'ordinateur préfère d'ailleurs qu'il prenne en B2, mais bon, peu importe. Il a joué le coup un peu plus humain et que je craignais un peu plus. Je rock. Mais bon, je vois pas trop ce que j'obtiens dans cette position. Il est assez confortable, il a sorti ses pièces et c'est lui qui met la pression sur mes pions. Donc là, j'ai décidé de faire un peu la tortue, quoi, de subir en me disant on verra plus tard s'il y a des opportunités. Ok, il s'en prend à mon fou. Bon, je peux pas le défendre spécialement. Mais je peux en profiter pour prendre un peu d'espace avec mon cavalier. J'attaque sa dame, il recule, ok. Je décide à ce moment-là de relâcher la tension parce qu'au bout d'un moment, ça va être trop pénible à gérer cette tension sur le pion D4. Et je préfère le prendre moi-même à ce moment-là.
Il prend mon fou en intermédiaire, ok, très bien. Il prend mon pion. Et ensuite vient la question de quoi faire. Bon, je suis vraiment pas à l'aise avec la position. Je sais pas trop quoi faire. Et j'ai pas envie de défendre passivement. Je suis pas sûr que ça marche très bien. À noter qu'il faut quand même surveiller des coups comme E6, où mon cavalier est peut-être un peu cloué avec la dame derrière. Donc je décide de jouer tour AD1 pour prendre la colonne. En plus, j'avais vu la vidéo de Raspou pas très longtemps avant, qui parlait de l'importance des colonnes hein, pour mettre en place des attaques. Je me dis, bon, j'ai pas grand-chose dans ma position, mais peut-être que j'ai une sorte de priorité sur la colonne. J'ai pas l'impression que la caméra marche très bien, mais bon, c'est un peu PowerPoint, mais c'est vraiment pas le plus important de la vidéo. Ce faisant, je laisse mon pion B2, mais je sais plus ce que j'avais prévu après. Mais ça m'inquiétait pas trop parce que je me disais que je peux gagner un temps sur son fou s'il me mange. Je gagne un temps, après j'aurai peut-être une découverte sur sa dame. Bon, un peu spéculatif, mais non, j'aurais peut-être pas reculé par contre. J'aurais peut-être avancé en F5, j'aurais peut-être essayé de monter un début d'attaque. À voir si ça marchait ou pas parce qu'il y avait E6. Ou alors tout simplement. Ah oui, si j'avais ça en tête, oui. Alors, je me souviens en même temps. Mais si je joue fou B2, j'avais simplement l'idée tour B1. Et je me venge ici avec une belle pression là et ça me paraissait pas mal. Il joue dame A5. Ok, il s'extrait de cette colonne. C'est assez logique. Il attaque mon pion. C'est un coup que j'avais vu. J'avais prévu dame B1. Et il sort sa tour pour contester la colonne. Bon, c'est toujours pas clair du tout ce que je peux faire dans cette position en fait. Là, mon idée c'est d'essayer de stabiliser un peu et de peut-être finir de vider la diagonale de son fou qui est très fort. Faire attention à ne pas perdre trop de pions. Peut-être avancer. Oui, j'avais cette idée aussi qui a commencé à germer dans mon esprit de pousser mes pions de la dame. Là, je me suis dit, ah, j'ai joué A3 pour pouvoir jouer B4 et là faire un peu le vide dans cette zone où j'ai mes pièces pas trop mal placées. Peut-être avancer jusqu'en B5, etc. Bon, le problème, c'est que si je joue B4, je perds A3. Et autant dans mes calculs préliminaires, ça m'est paru pas un souci. Est-ce que je pouvais peut-être un peu chasser la dame ou des histoires comme ça. Mais autant après plus longue réflexion, je me suis rendu compte que. C'était peut-être pas si fort que ça. Que peut-être que juste que je donnais un pion sans raison. Il joue E6 pour virer mon cavalier. Ok. Bah, je vire mon cavalier. J'ai pas 50 cases. J'ai pensé à des trucs un peu débiles de sacrifice, mais là je me suis dit. Enfin, il n'y a vraiment aucune raison de sacrifier des pièces dans cette position. C'est vraiment se foutre en l'air sans raison. Même si t'es moins bien. Joue la position normalement et c'est à lui de profiter de son avantage. Il ne va pas te foutre en l'air et lui faciliter la tâche. Et là, il a décidé de prendre en C3. Donc effectivement, il peut gagner un pion sur le champ. Je lui avais laissé cette possibilité. Même s'il ne gagne pas le pion, il a affaibli durablement ma structure. Donc c'est évidemment un coup intéressant de prendre en C3. Mais par contre, je me disais qu'il dénudait son roi. Et que peut-être que j'aurai des idées d'attaque plus tard. Notamment si j'arrivais à infiltrer ma dame. Là, je pensais que ça allait continuer par B6 pour solidifier sa structure. Et là, je voulais jouer dame 4. Je sais pas trop ce que ça valait, mais je gagne un temps ici. Je vais pouvoir jouer cavalier E5, c'est-à-dire faire jouer mon cavalier qui pour l'instant est dominé par. Enfin, qui a aucune case intéressante. Faire jouer comme ça et bon bah me rapprocher un peu de son roi. J'ai toujours la colonne qui est disputée mais où j'ai une certaine présence et surtout sa dame est à l'ouest donc peut-être que j'ai un petit quelque chose. Je crois que l'ordinateur de mémoire il préférait l'idée là-dessus de cavalier D2. Idée un peu similaire de dire ok je suis prêt à abandonner un pion mais je replace mes pièces et je monte un début d'attaque. Je sais pas, quelque chose comme ça. Je crois que l'ordinateur aimait bien ce genre d'idée. Je sais pas comment il continuait, mais.
Mais on voit que je m'active un peu là avec mon cavalier qui est là, il y a des faiblesses un peu ici, son cavalier un peu en l'air. De toute façon, il n'a pas joué B6, il a joué un coup qui m'a surpris, c'est Dame prend A3, il allait récolter les pions. Bon bah moi je me disais là-dessus, j'ai Dame prend B7, qui est plutôt cool, je lui abîme aussi sa structure de pions, et je tape sur son cavalier C6 qui est pas très bien protégé. Bon, il le protège, mon idée c'était que s'il l'enlevait, notamment sur le coup A5 qui est assez naturel, l'idée c'est que j'allais me réfugier ici, en E7, et je dis me réfugier, mais c'est plus qu'un refuge, c'est une case très intéressante pour mon attaque, je trouvais. Une attaque que j'avais envie de mettre en place. J'attaque sa tour, il est obligé de réagir. S'il échange, il va falloir qu'il fasse gaffe parce que je vais peut-être arriver très vite sur la 7ème rangée. Et s'il recule, je ne sais pas s'il va là. Là, mon cavalier arrive. Et j'ai aussi les idées, bien sûr, de 7ème rangée. Plein de choses intéressantes. Enfin, ça commence à devenir un premier tour pour moi. S'il va en E8, je peux aller là. Je protège mon pion. Ma dame est vraiment proche de son roi. J'ai des idées d'attaque toujours. Peut-être de sacrifice ici dans certains cas si je peux ramener une tour. Bon. Tout d'un coup, j'ai vu des signaux d'attaque se manifester. En fait, dès le moment où il m'a laissé dame prend B7, je me suis dit que c'est une bénédiction. J'avais enfin des choses pour quoi jouer. J'avais une attaque qui est encore assez lointaine pour le moment. Mais sa défense est encore plus lointaine que mon attaque, donc je me suis dit, il y a des perspectives. Il protège son cavalier, ok, mais c'est un peu passif. Moi, c'est un coup que j'étais content de voir jouer. De le voir jouer. Je sais pas, j'étais content de le voir jouer ce coup. Bon, bah, je ramène des pièces, je prends la colonne, je continue mon attaque sur son cavalier. Et cette fois-ci, il l'enlève. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ce coup-là, moi, ce que j'avais prévu, c'est Dame 7. Et là, quel que soit un peu ces coups, bah j'ai des idées embêtantes, quoi. J'ai du tour D7, j'ai du dame F6, j'ai du cavalier prend G5, j'ai du cavalier E5, et j'ai du tour FD1. Ouais, je me dis, s'il n'y a pas un coup là-dedans qui est pas intéressant, c'est vraiment pas de chance. Et j'ai même pas de matériel en moi pour le moment. Bon. J'ai quand même un pion en l'air qui prend et qui lui permet de défendre la diagonale. Là-dessus, je joue mon tour D7. J'ai investi sa 7ème rangée, je le montre déjà très menaçant. Et là, il joue un coup un peu à l'envers et il commence à balbutier un peu sa défense. Déjà, son enchaînement était un peu bizarre, peut-être, hein, de tour de C8 pour après bouger son cavalier. Bon, pourquoi pas avoir bougé le cavalier directement, je sais pas. Et là, il défend son pion F7 en ramenant sa dame. Alors, c'est assez logique de ramener sa dame, mais ce faisant, il me laisse un coup assez facile quand même, qui est cavalier E5. La dame ne peut plus prendre, ne protège plus la case E5 parce qu'elle doit défendre ici. Du coup, je rajoute la pression là-dessus. Et il joue le coup tour F8 pour protéger son pion F7. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas avoir joué directement tour F8? Ici là. Et comme ça, il garde le contrôle et il m'empêche de jouer le cavalier E5. Si je veux faire jouer mon cavalier, il faut que je trouve une astuce. Je ne sais pas laquelle, peut-être juste cavalier D2, peut-être ça c'est quand même c'est un peu mon idée, ça m'avait l'air assez fort, mais c'est plus lent. Dans la partie, ça se passe bien. Ici, j'hésite un peu entre mes différentes options. Mon cavalier est attaqué cette fois-ci pour de bon. Je peux protéger avec F4. Ça avait l'air pas mal, c'est le coup préféré de l'ordi. Mais j'ai trouvé intéressant de prendre son pion, bon, ici là qui était en l'air, pour récupérer un peu de matériel. Donc là, je suis un peu contre l'esprit de ma propre attaque. Et l'ordinateur aime pas trop, je crois. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Donc je resserre un petit peu l'étau, je lui laisse un coup pour se défendre. Et sur cavalier B3 que j'avais vu, bien entendu, j'avais anticipé. Dame D6. Et là, en jouant ce coup, j'ai eu peur peut-être d'un fantôme et je me suis dit, ah peut-être qu'il a cavalier D2 ici, qui est un peu embêtant. Il attaque ma tour. J'ai pas envie de prendre parce que là, ça le libère carrément. Et mon attaque. Bon, certes, j'ai la 7ème rangée, mais j'ai plus vraiment d'attaque. Ça devient une finale de pièces lourdes.
Et ici, j'investis la colonne comme ça. Il peut me chasser ici, ou là plutôt une belle case. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il a des choses intéressantes ici. Je sais pas où je mets ma dame, peut-être ici. Est-ce qu'il peut aller là? Bon. J'avais l'impression qu'il a ramené son cavalier en jeu, ce que j'aimais pas trop. J'étais content que son cavalier soit en jeu. Mais là, encore une fois, c'est pas ça qu'il a joué. Il a joué A5. J'avais pas trop pensé à ça. Il va chercher le contre-jeu, qui m'a l'air très lent. Et relativement un peu désespéré en fait pour tout dire. Et là-dessus, je me dis que je vais pouvoir ouvrir la position et le mater avant que son pion arrive à dame. Donc pour ça, je joue le F4 qu'on avait vu tout à l'heure déjà. Et qui m'a l'air pas mal, puisque là, en plus de protéger le cavalier, ce qui peut être utile peut-être dans certaines variantes, l'idée c'est surtout d'ouvrir la colonne pour ma tour F. Et là, d'avoir 3 pièces, peut-être 4 avec la dame qui attaque le pion F7. Elle gagne en force, et si le pion F7 tombe, il y a quand même de fortes chances que je mate derrière. Je pensais qu'il allait fermer, mais là-dessus, je comptais jouer tour F5. Ou peut-être l'autre possibilité que j'imaginais pour lui, c'était A4. Sur A4, j'étais pas tout à fait sûr. Parce que là, il faut quand même. Puisque là, je calculais pas vraiment très précisément. Mais à ce stade, il faut un peu calculer la course quand même, voir si mon attaque est si forte. Hein. Si je joue A4 et que je prends ici, est-ce qu'il peut pas juste continuer à aller jusqu'au bout? Est-ce que j'arrive à quelque chose de convaincant avant ça? Bon, ça m'avait l'air assez fort, mais tout comme calcul, le pion il va relativement vite. Si je gagne un peu de matos, ça suffit pas à gagner la partie, puisqu'il fait dame derrière, il regagne du matos à son tour. Bref, ça m'inquiétait vaguement, et je me disais, j'étais assez bien au temps dans cette partie, je me disais, s'il joue A4, au pire, je peux temporiser, je calculais vraiment, et selon le résultat de mes calculs, j'ai toujours la porte de sortie de temporiser avec Dame A3. Un coup que j'ai absolument pas envie de jouer, mais qui au moins me met hors de danger, et me laisse avec des perspectives toujours d'attaque, et aussi de pousser mon pion C, bon, je sais pas. Mais il a joué le coup un peu bizarre, G prend F4. J'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, ça m'arrange bien, je voulais ouvrir la colonne. Et en plus, j'ai une menace de gagner la dame. Donc là aussi, faut faire un tout petit peu gaffe aux questions de tempo, là, peut-être qu'il y a des choses intéressantes comme ça. Parce que j'ai quand même du mal à arrêter ce pion. Mais bon, là par exemple, je vais le mater avant, ça paraît assez clair. Voilà, à calculer quand même. Bon, là ça mate, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Mais encore une fois, il joue un peu passif. Il joue pas le A4, il joue H5 pour pas se prendre ça. Ok. Bon, après ça reste un coup. On va dire G4, c'était pas mon idée. Tour G4, c'était pas mon idée number one. Bah, ça reste un coup de défense un peu faiblard. Et surtout que je peux tout simplement manger son pion. Maintenant j'ai un beau surnombre sur ces cases. Les finales ne me font pas peur du tout hein, si on échange comme ça. Je sais pas trop dans quel ordre j'aurais fait ça, mais peut-être juste ça. Là il a rien à gagner avec Dame 1. Et quelque chose comme ça, j'avais calculé vaguement que bah, ça gagne très facilement, son roi est trop exposé. Je dois pouvoir faire des échecs qui gagnent une pièce par fourchette, ou au pire j'ai juste mon pion qui avance. C'est gagnant ça. Mais du coup, bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il est un peu en train de se faire mater le pauvre. Hein. Il a joué des coups de défense un peu faibles. Son contre-jeu, il a joué qu'à moitié. Et du coup, il a une position très difficile. Il joue tour F8. Là-dessus, j'ai cavalier D8. En menaçant, en coupant la connexion entre les tours, je menace sa dame. Et bon, il y avait d'autres coups hein, qui gagnaient. L'ordinateur n'aime pas trop cavalier D8, il préfère cavalier E5 avec la même idée. Mais là, sur cavalier E5, moi j'étais embêté par. En fait, j'étais embêté par ce coup-là. J'ai calculé à l'envers hein, cette séquence. J'étais embêté par ce coup-là, mais qui est pas embêtant du tout parce que j'ai un mat. J'ai le même mat que dans la partie. Mais je me suis dit, ah, encore plus malin, je peux faire la même chose, mais avec cavalier D8. Comme ça, il a pas ça. Puisque là j'ai un échec à découverte. Et qui gagne sa dame.
Sauf que gagner sa dame, on s'en fiche. Hein. L'échec à découverte, il mate. On va le voir dans la partie. Il joue cavalier d8. Il joue dame c3 pour s'enfuir. Mais bon, là, il y a tellement de pièces que c'est évident que ça va mater. Et ça mate avec tour f8. Je prends son pion e6. Et il abandonne. Parce que au prochain coup, disons qu'il va là. Je finis comme ça, tranquillement. Donc voilà, j'ai réussi à battre mon Indien sous-classé. Plutôt content, pas du tout content de l'ouverture où je me retrouvais, je me suis fait au moins égaliser assez rapidement. Mais dès que j'ai eu un peu l'opportunité, dès que j'ai pu un peu jouer mon jeu d'attaque, c'est allé vite. À partir de Dame B7, là, en quelques coups, ici il n'y a vraiment rien pour moi. Et là, on est au 21e. Dame B7, j'enchaîne, je ramène toutes mes pièces les unes après les autres. Et là, on est au 26e, il a une position qui est déjà perdante, je crois. Ou en tout cas, extrêmement difficile à défendre. Voilà, en 5 coups, j'ai réussi à faire tourner les tables. J'étais plutôt content. Et cet Indien, je sais plus quel était son score final, mais je crois qu'il a eu 5 ou au moins 5 et peut-être même 6 points sur 9 à la fin. Donc il avait fait une belle perf, hein, il a posé des problèmes aux autres joueurs en général. Donc c'était pas un pitre. Deuxième partie, je vais essayer d'accélérer un peu. Sinon, ça va durer vraiment des plombes. En plus, cette partie est assez longue. On ouvre par D4, D5, on va pas faire toute l'ouverture. Même si là, je me suis fait pas mal surprendre. Je pensais partir sur une slave. Enfin, on part sur une slave. Là, je joue mon coup dame C2. Et il me joue cavalier E4. Que j'ai absolument jamais vu. Et je me demande s'il n'y a pas moyen de punir tout de suite ce coup. Bon, je trouve pas trop. Je joue cavalier C3 qui m'a l'air logique pour. Mettre la pression à la fois sur D5 et sur E4. S'il me prend, je suis content, j'ai des beaux pions centraux, il a dépensé 3 coups de cavalier pour, on sait pas trop pourquoi, pour un échange de cavalier. Et il joue F5, il veut transposer dans une espèce de Stonewall un peu bizarre. Enfin, de Stonewall, mais bon. Un ordre de coups bizarre au moins. Alors, je suis pas un expert en Stonewall, mais je sais que le fou est fort en F4, ok. E6, logique, je me développe. Fou E7, je sors mes pièces, c'est vraiment les cases évidentes. Il joue petit roque. Et là, j'ai une réminiscence. C'est une position que j'ai jamais eue. Mais je sais que dans cette position, il y a un coup très fort, qui est un coup d'attaque, qui est un coup que j'aime, qui est G4. Ça ouvre la position sur son roi. On a toutes les pièces bien placées et on a une belle attaque. Et c'est déjà un bel avantage blanc. C'est relativement théorique dans le sens où il y a plusieurs dizaines de parties de mettre là-dessus, mais avec un score écrasant pour les blancs. Je savais que c'était très bon. Mais je connaissais absolument pas la suite. Donc à partir de là, c'était l'impro total. Il me joue cavalier A6, et là je vois un énorme fantôme. Le coup logique, le coup que tout le monde joue et qui est très bon, c'est A3 pour empêcher cavalier B4. Mais moi, ce que je voyais sur A3, c'est que je me faisais enfermer mon fou. Enfin, pas vraiment enfermer, mais disons gêner mon fou F4. Comme ça. Et que après, je pensais que j'avais des problèmes. La prise en G4, je pensais que j'avais des problèmes sur la colonne et sur la case F2. Je bouge mon cavalier, je sais pas où. C'est ça que j'ai vu dans la partie. Et j'étais embêté par des notions comme ça. Peut-être ça. Mais bon, même ça, je me rends compte maintenant que ça marche pas du tout. Je peux prendre ici. Et en fait, je peux pas du tout obligé de jouer cavalier D2. Je pouvais tout simplement prendre ici son cavalier avec peut-être même pas avec le fou d'ailleurs avec le. Enfin, en fait, ça marchait absolument pas dans aucune variante ces idées-là sur la colonne F. Parce que mes pièces sont trop fortes. Je peux prendre peut-être avec le cavalier. S'il fait ça, en fait, il se fait mater en un claquement de doigts. Je vais le mater en H7, j'ai mes pièces qui arrivent. Ça marche absolument pas, mais j'ai juste très mal calculé et j'ai eu peur de G5. J'ai eu peur de G5 et de la colonne F qui s'ouvrait. Donc mauvais feeling plus mauvais calcul. J'ai refusé de jouer A3 qui me promettait un très bel avantage, une belle attaque que j'aurais, je pense, conclue assez facilement. Et je cède un peu tout. C'est un peu un coup catastrophique, hein, mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir trop de choix.
Je cède mon fou pour contre son cavalier. Bon, en compensation, j'ai quand même une belle case de 5 pour mon cavalier. Il joue fou F6. Ok. Je joue enfin mon A3. Voilà, j'ai pas envie de me faire. Ah oui, ce que j'ai pas envie, c'est que son cavalier arrive en D3. C'est ça qui m'embêtait aussi. Là, il menaçait si je joue, je sais pas, un coup de roque par exemple. Là, il peut me prendre ici, jouer ça, et peut-être arriver ici. Ça, j'aimais pas du tout. Il peut me prendre mon fou. Il peut aussi peut-être avoir une fourchette là, je sais pas, mais bref. Finalement, je joue A3 quand même. Je joue maintenant. Il se débarrasse de mon cavalier, ok. Bon, après, je me dis que j'ai raté ma chance d'attaque, mais ma position est pas non plus horrible. Parce que j'ai un beau fou et lui il a un fou moche, tout simplement. Il vient challenger mon milieu. Alors, un coup intéressant que j'avais pas vraiment vu. Il sacrifie un pion, mais c'est un peu un pseudo-sacrifice, c'est-à-dire si on arrive à quelque chose comme ça, moi j'étais embêté ici par, je crois, 7 suites. J'ai oublié de revenir ici. Et peut-être ça maintenant. Avec la tour qui est clouée. Et la case D3 qui va être magnifique. Son fou va pouvoir sortir. Donc pour le prix du pion, il a des compensations énormes en fait. Il doit être même carrément mieux, voire beaucoup mieux dans ce genre de position. Et tout ça, c'est assez forcé. Du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai d'autres possibilités? Peut-être prendre une fois et. Attends, on en est où? Voilà, j'ai pas trop le choix non plus. Hein. L'autre idée un peu tentante, c'est de jouer C5, mais sur C5, il est peut-être B4, un peu embêtant. Là, je n'étais pas tout à fait sûr. Je ne sais pas trop où mettre mon cavalier. En A4, je trouve bien, bien mauvais, donc peut-être en E2 plus logique. Mais bon. Est-ce qu'il n'a pas des dames H4 qui sont gênants? Enfin, dame H4, c'est un coup qui m'embêtait. J'ai l'impression de perdre le pion G4 en force. Bon, ah, dangereux, hein, toujours, parce qu'il peut se faire contrer très fort, mais où est-ce que je mets mon roi, moi? Est-ce que je peux me permettre de roquer quelque part? Sans doute pas. Un peu compliqué, j'aimais pas trop cette idée. Et puis aussi. L'idée de ce coup, c'est de fermer la position pour enfermer son fou, mais là on voit bien que son fou aura très facilement du jeu et du jeu très fort sur la diagonale. Donc rien que ça, même s'il n'y a pas d'idée offensive, rien que ça discréditait pour moi le coup C5. Donc j'ai pris, pas trop le choix, il prend, et là-dessus je joue B4 pour éviter qu'il joue lui-même B4 et qu'il libère son fou, etc. Ok, du coup il défend son pion, je joue Dame E2 que j'avais un peu préparé. Pour évacuer la colonne où je risque de me prendre une pression avec la tour sur mon cavalier avec un clouage désagréable. Et j'attaque son pion, que j'étais pas sûr de vouloir prendre parce que j'avais un peu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore sur les cases blanches notamment. Si je prenais ce pion, peut-être que son fou allait s'exprimer. J'aurais sans doute pas pris, hein, à moins d'avoir vraiment une suite claire dans la tête. Il joue Dame B6 pour protéger. Je roque. Il prend la colonne. Là-dessus, j'avais imaginé un setup un peu tarabiscoté pour contester la colonne. Ça a à peu près marché. L'ordinateur aime pas trop, je crois, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, ça a à peu près marché. Il prend l'espace avec sa tour, assez logique. Assez logique, mais bon, ne menace pas grand-chose pour autant. Sachant que s'il double, moi je suis prêt à venir échanger. Et je suis. J'accueille d'un œil plutôt satisfait les échanges parce que, notamment la colonne où il est fort, si on échange tout, bah, il sera plus fort et à la fin il restera avec son fou qui est mauvais. C'est un peu mon idée, hein, c'est, je joue toute cette série de coups pour que son fou reste mauvais. J'en profite pour jouer F4. Je me dis, s'il prend en passant, je vais être assez content parce que il vient de placer sa tour sur la colonne C et moi je déplace un peu le combat sur la colonne F. S'il veut faire un truc comme ça, toutes ces pièces sont mal placées et je vais avoir une attaque peut-être fulgurante, ça peut venir très vite, sur son roi. Un peu comme la partie d'avant contre l'Indien, ce genre de position peut très vite déraper, surtout avec des fous de couleur opposée, un aussi beau fou.
ça peut très mal tourner pour lui. Et donc, il prend pas. Bah, c'est logique. Il vient renforcer la colonne C. Là-dessus, moi, je veux pas tolérer un tour C2. Même si je crois que l'ordinateur le tolère, mais bon, il est un peu taré. Je viens contester pour échanger. Il joue cavalier C7. Donc il veut pas tout échanger. Et il dit si j'échange moi en C4, il va pouvoir reprendre d'un pion. Et faire un joli pion passé. Donc là je réfléchis pas mal. Et je décide de jouer bah, quand même tour prend C4. Je me dis que son pion passé, ok, il est fort à long terme. Mais je vais avoir tout... Ah oui, pardon, je spoil un peu. Mais je vais avoir tout de suite un joli bloqueur ici avec mon cavalier. Et que moi-même, j'aurai une belle majorité. Enfin, une belle. Je ne sais pas si elle est si belle, mais j'aurai une majorité. Donc, j'aurai de quoi jouer. Et je pourrai faire progresser ma majorité ou essayer de le faire sans me soucier que son pion avance, puisqu'il sera bloqué. Là-dessus, je me rends compte que je m'approche aussi de mon objectif là, de jouer contre son mauvais fou. Et notamment si je joue tout de suite cavalier C3, ce qui m'a embêté c'était un coup comme cavalier B5 qui vient tout de suite contester mon cavalier. Et là, j'étais un peu embêté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le protège? Mais là, ma dame est beaucoup moins belle que le cavalier en C3, c'est un très mauvais bloqueur. Et son fou, il est pas si mauvais, il va pouvoir s'interposer, ma majorité ne sert plus à rien. Et voilà, la position n'est pas claire. Là, à vue de nez, personne n'avance, mais bon. J'ai peut-être des perspectives d'attaque un jour, je sais pas, mais en tout cas, j'aimais pas trop. Par contre, ce que j'aimais, c'était l'idée stratégique que l'ordinateur aime pas. Il met un point d'interrogation, je sais pas pourquoi, faudra que j'analyse ça plus tard. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, je mets plutôt un point d'exclamation. Je suis content de ce coup. Pour tout simplement rester avec le bon cavalier contre le mauvais fou. Voilà, je déroule mon plan, j'ai l'impression d'avoir une position plutôt agréable à jouer. J'ai toujours des idées d'attaque qui peuvent partir relativement vite, et j'ai des idées de pousser mes pions. Voilà, ça me suffit. Alors là-dessus, ça tricote un petit peu. Il me laisse un peu le loisir de pousser mes pions, il n'a pas trop contesté ça. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il voulait s'infiltrer ou... Enfin, à mon avis, il a une idée qui marchait pas bien. Parce qu'il me laisse pousser mes pions. Encore dame D8, bon, qui bloque un peu, pourquoi pas. J'avance mon roi parce que j'ai envie de bouger ma dame. J'ai quand même envie de me servir de ma dame. Sauf que là, la dame, elle servait à protéger le pion G4. Et si je bouge ma dame tout de suite, je ne sais pas, je joue au hasard un peu. Là, il a dame H4 qui est un peu gênant. Parce qu'il attaque le pion G4. Je peux pas le protéger avec H3. Voilà, en bougeant mon roi en G2, j'ai plus ces problèmes. Si il joue dame H4, j'ai H3. Donc, il joue dame A5, c'était son idée apparemment. Il joue dame B2. Il ramène son roi. Et là, je me dis que je suis plutôt content d'échanger les dames. J'hésite hein, parce que son roi est relativement faible. Je peux peut-être ouvrir cette colonne, forcer l'ouverture et attaquer, et coulisser assez rapidement sur son roi. Donc, ma dame peut avoir un certain intérêt. Je peux aussi éventuellement avoir des idées d'infiltration avec ma dame qui peuvent être un peu gênantes. Mais auquel cas, je lui donne à lui du jeu avec sa propre dame. Et je me suis dit, en fait, la finale sans les dames m'a l'air très bien à cause de cette histoire de bon cavalier contre mauvais fou. Il prend l'échange, je pense qu'il n'a pas trop le choix, ainsi il recule maintenant. Il cède beaucoup de terrain, mais ma dame s'est bien activée, je vais peut-être pouvoir pousser dès maintenant, je sais pas. Il est venu un peu pour ça. Et là, il me joue à 5, pour un peu fixer les choses ici, mais bon, ça me prend un pion passé. Ok, je recule. Il joue dame B6. Et là, j'ai l'impression d'avoir une position magnifique. Parce que j'ai un pion passé qui, moi, peut avancer dès qu'il a le dos tourné. Il a un peu de mal à le bloquer. Par exemple, je sais pas s'il joue un coup complètement débile de dame D6. Je vais directement à dame sans poser de questions.
Et je peux manœuvrer un peu tout ce que je veux avec mes pions. Et notamment, j'ai d'emblée un coup qui est très fort, qui est le coup F5. Parce que ce cavalier bloqueur, il attaque mine de rien le pion D5, qui est soutenu à l'heure actuelle par le pion E6. Donc il peut pas vraiment prendre, sinon c'est un peu la catastrophe assez rapidement. Tout s'écroule de son côté, il faut regarder l'ordre du coup exact, mais là j'attaque sa tour, je peux être filé à dame directement après s'il bouge sa tour. Donc il prend pas, il bouge son roi. Moi j'ai 5, hein, j'avance mes pions, je peux me faire une autre majorité, peut-être un autre pion passé. Il joue fou E8. Là, j'ai une idée en tête qui est de ramener ma tour en F1 pour. Il peut toujours pas prendre, hein, d'autant que là, il y a une fourchette carrément qui remporte la tour. Comme ça, au prochain coup, je joue F6 en force et je me crée un nouveau pion passé. Et je me dis qu'avec deux pions passés, c'est forcément gagnant, sauf forteresse improbable, quoi. Mais en même temps, je sais pas, j'ai. Je vais la jouer un peu stratège, en me disant que c'est une finale, que je maîtrise complètement la position et que je peux prendre tout mon temps, que je peux d'abord améliorer mon roi. Donc j'améliore mon roi. Sauf qu'il a fou F7. Et j'avais pas pensé que fou F7, en fait, ça protégeait le pion D4. Et que du coup, bah, finalement, j'ai plus mon idée de pion passé que je me crée en force. Je joue quand même tour F1 avec la même idée, mais il peut jouer le point F5. Ok, bon, moi, j'ai pas mon pion passé. Mais j'ai quand même une pression très, très plaisante sur D5. Un roi relativement actif, des pions avancés de partout. J'ai quand même une position assez dominante. Il vient protéger son pion. Donc je me demande un peu à chaque fois à quel point je peux avancer mon pion B6 pour échanger. Mais j'ai l'impression que ça donne beaucoup de jeu. La finale de tour, il y a des chances qu'elle soit nulle. Même si c'est jamais tout à fait clair, mais. Il y a quand même des chances qu'elle soit nulle, hein. Par exemple si je joue ça sans calculer, hein, juste les coups évidents. Peut-être juste ça ici, hein. Ça peut être un peu embêtant. Parce que là mon roi est un peu loin de son pion. Je peux pas vraiment m'interposer sinon son pion file à dame. Bon. Ça perd peut-être pas, mais ça devient un peu désagréable. Je voulais pas le laisser du jeu. Donc, pas de raison d'échanger ces pions-là. Et je préfère améliorer. J'avance mes propres pions. Donc, là, on va tricoter. Hein. Je vous passe les détails. Je sais pas exactement comment m'y prendre. Je menace un peu de pousser mon pion. Bon, est-ce que c'est une vraie menace? Je sais pas trop. Voilà, je joue des petits coups. Je change un peu d'idée. J'ai envie de m'infiltrer quand même chez lui. Il en empêche. Et il l'empêche. Je décide de pousser mes pions en me disant que si je le fixe, par exemple avec H6, je vais avoir l'idée supplémentaire. Je sais pas si on imagine un truc comme ça. Je vais avoir l'idée supplémentaire de ramener mon cavalier et de me sacrifier ici pour avoir H7 qui va à dame. Il se laisse pas tout à fait prendre. Bon, ça tricote. Il joue lui-même H6. Je suis un peu contrarié parce que si j'échange, je trouve que ça lui ouvre un peu sa tour. Mon roi est pas super à l'aise. Faut que je fasse gaffe à pas me faire manger par exemple le pion H5 à un moment. Ça peut être un peu gênant, même si bon, mon pion B passé, c'est un peu quand même l'assurance de jamais perdre logiquement. Sauf si je fais une énorme boulette, il n'y a aucune raison que je perde. J'aurai toujours ça comme contre-jeu pour au moins annuler. Mais ça me convainc pas trop et je décide d'avancer. Alors certes, je mets mes pions sur case blanche, ça peut devenir des cibles pour son fou, mais au moins je prends de l'espace. Je me dis que son fou, il aura de toute façon du mal à venir attaquer les pions, hein, parce que les cases sont contrôlées et qu'il faut qu'il défende peut-être des 5. Voilà, on joue comme ça. Et là, je décide de ramener mon roi en bloqueur du pion, plutôt que le cavalier. Comme ça, je pourrais me servir du cavalier pour faire d'autres choses. Voilà, alors ça tricote. Et là, il a joué ce coup tour B6 assez étonnant, après une longue réflexion.
Il a réfléchi, je pense, un bon quart d'heure pour le jouer. Il lui reste 10 minutes à jouer. Et il me laisse donc, il m'invite à jouer tour F8. Un peu ce que j'attendais depuis le début pour pénétrer et multiplier les menaces sur ses différents pions faibles. Mais du coup, il a dû se dire que peut-être sur tour F8, il avait un peu de contre-jeu comme ça. Je sais pas, peut-être un truc comme ça. Bon, je vois cette position, ça m'a l'air très bien. Mais j'aime pas trop l'idée de lui faire du contre-jeu, lui laisser du contre-jeu comme ça. Et je me dis que je peux d'abord continuer mon plan de remplacer le cavalier par le roi. Du coup, je décline un peu sa proposition. Je me dis au pire, elle revient, au pire, il me le reproposera plus tard. Bon, c'est pas sûr, mais psychologiquement, ça paraît assez logique. Et s'il me l'interdit pour de bon, s'il m'interdit mon plan pour de bon, j'ai toujours mon idée que j'avais un peu imaginé. Je sais pas si c'est une idée forte, mais ça m'avait l'air pas mal de jouer cavalier G3 et je crois que c'est cavalier F5 où je voulais aller pour attaquer le pion G7. Bon, est-ce que c'est fort? C'est peut-être pas si fort. Hein. Dans ma tête, ça avait eu l'air pas mal. Faudrait un peu jouer les coups, mais là, je vais pas le faire maintenant. Donc il joue roi D6, il m'invite de nouveau à jouer tour F8. Je veux vraiment bloquer la situation, je veux pas même qu'il sacrifie un pion pour activer sa tour ou quoi, je sais pas, je joue moitié peureux, moitié wannabe grand maître stratégique qui améliore tout avant de leur donner le coup fatal. Il joue tour B7 et cette fois-ci je suis prêt à jouer tour F8. Alors tour F8 était gagnant hein, largement depuis le début. Donc j'aurais pu me précipiter sur ce coup. Mais là au moins, sur son fou G4, j'ai cavalier F4. Je cède rien. Je donne même pas aucun, je donne aucun pion. Donc j'ai pénétré son camp et il n'a pas de contre-jeu pour autant. Donc là j'ai des coups, enfin j'ai des gains vraiment qui ont l'air très faciles dans tous les sens. Tous les coups ont l'air écrasants en fait. Il veut jouer fou D1 pour se trouver, j'imagine, du contre-jeu sur A4, mais ça marche absolument pas. Ça, c'est assez évident. Je joue tout de suite tour F7. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il abandonne ce pion, c'est la catastrophe. Et s'il échange comme dans la partie, ben, c'est encore plus la catastrophe. Parce que il a. J'ai deux pions qui vont à dame, hein, tout simplement. Il abandonne là-dessus. Donc deuxième partie avec les blancs, deuxième victoire. Donc pas dans un pur style d'attaque, j'ai gagné en finale finalement, j'ai gagné assez stratégiquement, à ma grande surprise, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais mes ordres de coups, mes conceptions, etc. n'étaient pas d'une grande précision. Mais globalement l'idée était bonne, elle était en tout cas plus dure à jouer pour lui que pour moi, et il a fini par craquer. Mon adversaire à 1900, donc pas un nullos, hein. Et voilà, je suis relativement fier de cette partie. L'ordinateur est quand même plutôt. Peut-être le mettre rapidement, mais voilà, là je pense qu'on peut voir. Sais pas si on va bien voir l'évaluation, je regarde en même temps sur l'écran. En gros, j'étais bien, voire très bien toute la partie, à part le moment où j'ai eu l'hallucination et que j'ai. Et que j'ai échangé mon fou en E4. Je regarde le stream a un peu de retard sur mon écran de contrôle. Je regarde juste si on voit l'évaluation.